La laïcité est au cœur des enjeux de la République. Elle est au cœur aussi des solutions à trouver pour réapprendre à vivre ensemble dans une vraie fraternité républicaine. La laïcité en France, c'est principalement, d'un point de vue juridique, ce qu'on a appelé la loi de 1905, dite de séparation des Églises et de l'État. Elle est constituée de deux articles essentiels. Le premier qui dit que est garantie la liberté de conscience, mais aussi la liberté de pratiquer une religion, c'est donc une loi de démocratie. Et le deuxième article dit que la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Ces deux principes sont largement contestés, critiqués, vidés de leur substance, contournés ces dernières années, et l'on assiste à une montée en puissance des subventions, notamment des pouvoirs locaux, à l'attention des communautés. Ce n'est pas le principe de laïcité. Il est donc important aujourd'hui de donner les moyens à la République de réagir. Et c'est pourquoi il est important, et le comité laïcité République l'a proposé aux candidats à l'élection présidentielle, de faire en sorte que les principes de la loi de 1905 soient inscrits dans la Constitution. De la sorte, il serait possible de mettre un terme aux dérives constatées, et notamment à un certain nombre d'arrêts du Conseil d'État qui ont ouvert cette voie assez inquiétante. Voilà ce que nous proposons. Certains l'ont entendu. Cette loi de 1905, il faut la faire vivre. Et il faudra aussi, bien évidemment, faire en sorte, avec un dialogue qui prendrait son temps, mais faire en sorte qu'elle puisse être appliquée à l'ensemble du territoire, puisque, comme le dit l'article 1er de la Constitution, la République est sociale, démocratique, laïque, mais également indivisible, c'est-à-dire que la même loi s'applique à toutes et à tous, quelles que soient leurs origines et quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire. Voilà le projet qu'a soumis et que défend le comité de laïcité République, l'intégration des principes de la loi de 1905 dans la Constitution et l'application de la loi de 1905 à l'ensemble des territoires de la République.